là on commence à être dans la merde, ça y est. Qui balance de la lave sur les ennemis. Voilà. Ça m'aide. J'espère qu'il n'y en a pas plus. Ne t'approche pas de lui, Atreus. On y arrive, on y arrive. Doucement, il faut juste finir ces cons là. Ah bien, il les a tous tués. Je pense qu'on est... il reste plus que le boss. C'est bien, gamin. Tank-le. Est-ce qu'il m'a laissé une pierre? Pas ça, putain, pas cette attaque de merde. Allez. Oh non. J'arrive pas à bien le placer en fait pour le combat.
ça, parce que t'attaques à la con, c'est relou. Oh. Attaque runique puissante. Il a éliminé les présences. Ok. Bah. Putain. Enfin, il était chaud surtout à cause des adds en fait. Des rajouts, c'est ça qui était chiant. Après, l'ennemi en lui-même, bon, ça, ça passe. Alors, j'ai vu. Là. Qu'est-ce qui est écrit? Les runes symbolisent les trois normes. Les normes. Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ok. Oh merde. Oh merde. J'ai été trop lent. C'est reparti. Il y a un corbeau là-haut. Voilà. Dis-moi que c'est de la vie. Dis-moi que c'est de la vie. Oh yes. Je vais cueillir 3 pommes. Votre santé maximale est accrue. Oh yes. Oh putain, c'est quand même une grosse partie de vie, ça va, c'est cool. J'avais vu un coffre là. Ok, très bien. Là-bas, il n'y a pas autre chose, un autre chemin, la grotte peut-être. Atreus, oh. J'entends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Oh merde, ok. Attends, attends, attends. On a trouvé le chemin principal, je crois. On peut pas faire sauter le gamin? Ah ça. Voilà. Allez gamin. Bien joué. Tu gères. Viens voir ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Accepte notre sacrifice. Puissant Père tous de livres Midgard, de la chasse sauvage, de Hel. Odin, sage parmi les sages, nous souffle de sans ordre. Odin, il l'a pas combattu, Kratos? Ça, j'en sais rien, je sais plus. S'il en a tué tellement. Ne pense pas qu'Odin ait reçu le message, ouais, ils sont moqués. C'est vrai que je regarde un récapitulatif de l'histoire encore, parce que je me rappelle plus. Des anciens. God of War.
tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement, le cuir des sangliers est épais. Ah oh, putain, encore. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est un sanglier magique. C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. C'est un sanglier magique. Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Il y a aussi des drogards ici. Ils se sont peut-être battus. C'est un massacre. C'est pas un combat, ça. Ça, on les trouve facilement. Oh putain! Oh la vache, t'es rapide toi. Finir en beauté, mais il est mort avant. Comment perdre de la vie? Regarde, rien. Il s'est faufilé sous le pilier. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme, on se détend. Mais la ça. Précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. J'allais dire, ça a pas marché une fois, ça va pas marcher la deuxième fois, mais apparemment si. Atreus! Putain, il est où le gamin? Atreus! Où es-tu? Dépêche-toi, père! Je l'ai trouvé! Atreus! Il ralentit! Où est-ce qu'on est? Attends-moi, Atreus! Père, par ici! Ça sent pas bon, ça. Atreus! J'espère pas qu'il y ait... Il y a des objets à récupérer dans cette brume, parce que sinon... Atreus! C'est pas le bordel. On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Ah. Le garçon ne faisait que m'obéir.
Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez? Vous aviez si faim que ça? Je m'entraînais à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit, maintenant. Tenez-le. J'ai pas envie de faire ça. Bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. T'as une jolie épée, toi. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Ok. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Oh putain, le truc, qu'est-ce qu'il est gros. C'est marrant que Kratos... Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. C'est drôle qu'il se... Il doit beaucoup lui manquer. Se laisse faire, en fait. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Atreus, je suis vraiment désolée. Tu parles trop. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. C'est le grand arbre Mojo. C'est une tortue. N'importe quoi. Ça tue. Il est gentil. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. C'est une maison ou c'est une tortue? Il est inoffensif. Je peux avancer ou pas là? Je sens qu'on va devoir le taper à un moment. Oh, oh, oh. Vite. Calme-toi. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. On la connaît pas. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied? Quoi d'autre? Écoute. Ah. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers. Pas moi, j'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. Donc c'est encore un dieu, du coup. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Il a encore le statut de dieu. Enfin, de dieu, dieu de la guerre, mais... De la cardamine. De la cardamine. Carbamine.
fleur aux pétales blancs. Par contre, d'abord, on va faire un petit tour. Putain, je peux que marcher. Bon, d'accord, on se casse. Ça va être chiant de marcher tout le... en faisant le tour de la maison. C'est joli ici. Poisson. Ah ben, putain. Je l'aime bien. Tu te rends compte? Elle vit sous une tortue. Tu es trop ouvert avec elle. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Elle a pas essayé de nous tuer. Ouais. Pour le moment. Fallait répondre pour le moment. Elle est où ta fleur blanche? La fleur aux pétales blancs. Elle est où cette saloperie? C'est ça? On va en continuer un tout petit peu, puis après je vais faire une pause. Pause de quelques heures, je pense, et je reprends ce soir. Avec ça, peut-être. Ouf. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Tu l'as déjà perdu. Bon, madame sorcière. Faut qu'on discute. Ce qu'il me faut. Je connais sa voix aussi. La voix française. Déjà entendu. Il va pas mourir? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Loïna. Loïna. Aime-le. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Mm-hmm. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Je vois pas pourquoi elle fait tout ça pour nous. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Vous avez obtenu le bateau. Attends. Prends ça. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin.
Elle pointera toujours vers ton objectif. J'ai même pas eu... Je l'ai écouté, j'ai même pas lu. Du coup, on est à la boussole. Ah, on peut rentrer ? Ah, cool. Comment il va ? Il a besoin de repos, mais je pense qu'il va s'en sortir. Est-ce qu'il a un nom ? Eldis Vene. Nous sommes amis depuis très longtemps. Eldis Vene. J'avais jamais vu de sanglier comme lui. Vous disiez que c'était le dernier dans tout le royaume ? Le dernier dans ce royaume. Il vient d'une autre contrée. Chez lui, il pouvait prendre n'importe quelle forme. Mais depuis qu'il est arrivé ici, il est... prisonnier. À l'intérieur d'un sanglier ? Prisonnier de son esprit. Sa vraie nature s'efface peu à peu de sa mémoire, comme un rêve. Tandis que l'illusion semble plus réelle chaque jour. Je suis pas sûre de comprendre. À force de vivre dans une enveloppe corporelle, jour après jour, on finit par se persuader qu'il s'agit de notre vraie forme. Plus jeune, il était assez fort pour résister. Mais Eldis Vene est très vieux. Sans moi pour lui rappeler d'où il vient et qui il est, j'ai peur qu'à la longue, il ne reste plus que le sanglier. J'espère qu'il arrivera à redevenir lui-même. Merci, mon garçon. Moi aussi. C'est très émouvant. À plus tard. Fais attention à toi. Bon, on a une boussole. Ça indique l'objectif. Et on va pouvoir se balader. On va pouvoir se balader, du coup. C'est cool. J'ouvre le bateau. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça c'est pas très dur ces merdes, c'est vraiment chiant. Oh là, voilà, voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'exploses. Suicide, d'accord, ok, ça marche. Où tu vas, gamin? Salut, mof. Oh merde. Première impression, il est très 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 bien. Des cauchemars. Maman me parlait de lui. Surtout le gameplay en fait. Des cauchemars. Il te donne des cauchemars. À moins que ce soit eux, des cauchemars. Je me souviens plus. Si seulement je pouvais lui demander. C'est pas trop lourd ? Si. Ça a pas l'air lourd pourtant. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ah, le gameplay est énorme. Super dynamique, super réactif. Ok, coffre. Après, l'histoire est sympa pour le moment, mais j'attends d'en connaître plus, quoi. Mais en tout cas, c'est un pur plaisir à y jouer, quoi. Bon, moi j'ai dit que je voulais faire une pause, mais au final. Arrête-toi. Voilà. Je pense qu'il va nous falloir le bateau. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, ça marchera pas. Tire dessus, petit. Bon. Ça doit être quelque chose avec de la magie ou un truc comme ça. Vous
Talisman. Ah oui, je crois que j'ai débloqué pas mal de trucs. J'ai complètement oublié de regarder. Alors, octroie un regain de santé. L1 et cercle. Waouh. C'est mieux que rien, mais c'est vraiment petit, quoi. C'est vraiment le regain de santé du pauvre. Putain. En armes. On a ça. J'avais complètement oublié de la prendre. Permet de déverrouiller une attaque supplémentaire en appuyant sur R2. Plus un givre. Ah, j'avais pas vu, c'est des... Elle se voit sur les... sur la hache. Les gemmes qu'on met, les... C'est cool, quand on les équipe. Sympa. On a 1000 d'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? Combat rapproché. Enchaîner rapidement au-dessus, subir des charges. Infliger des dégâts de givre, on va prendre ça. Elle se charge en puissance comme ça. Bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois, ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Je voudrais bien savoir de quoi il parle quand il dit qu'il a été malade, parce que ça aussi, ça a l'air d'être assez important par rapport à l'histoire. On avait un coffre, comment on y accède? Putain. Qu'est-ce que je suis en fait? Tourne, tourne. Non, tourne là, tourne comme ça. On peut accoster ici? Quoi ce bruit? Le marqueur de la boussole. J'ai pas envie de suivre le marqueur, il y avait des choses à récupérer dans la grotte. Je fais demi-tour. On va voir. Je suis curieux, il y a un coffre à récupérer. Resitue en fait, il est où le coffre? Ah. Ouais, la grotte, il y a encore plein de trucs à faire. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, peut-être c'est plus tard, peut-être qu'il faudra passer par la porte là qu'on peut pas ouvrir. Je pense que c'est ça. C'est par là. Ouais, c'est sûrement ça. On reviendra plus tard. Voyons ce qu'il y a. Voilà la montagne. On est tellement proche. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Un dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Sûrement lié aux anciens jeux. Je crois que... Il n'avait pas combattu sur le... Il n'avait pas combattu ici, Kratos? Genre sur la statue ou un truc comme ça dans un des jeux? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mur? Un mur en... C'est quoi cette matière? Inutile de répondre. C'est quoi ce truc? Je pense que ça doit être une bestiole géante en fait. Ça m'en a tout l'air. Bon, on va aller vers... vers la lumière. Des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Et là, gamin. Il est écrit: sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? La hache n'est pas revenue. Ah, c'était une erreur.